Hello les amis survivors, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement devant cet avant-dernier épisode. Et oui, déjà, l'aventure va bientôt se terminer, c'est déjà l'avant-dernier épisode de cette série Final Fantasy VII Remake version Intergrade. Donc on aura un épisode suivant qui sera le final. Et bien sûr, je vous ferai un seul épisode pour le DLC avec Yuffie, que je n'ai jamais fait non plus, donc ça va être très très cool. L'épisode précédent était très très sympa, beaucoup axé sur l'histoire. On a vu une très très belle cinématique sur les ancêtres d'Iris, appelés les Anciens. On a vu comment ils vivaient vraiment en harmonie avec la magie, avec la terre, avec les matérias. Et malheureusement, bah, ce peuple s'est éteint et Iris est... La dernière survivante de ce peuple des anciens. On sait également que la Shinra veut trouver finalement cette espèce de paradis et ils ont besoin de Aeris pour trouver cet endroit et y construire bien sûr Neo Midgard. Voilà, ils n'ont pas compris déjà que Midgard c'est catastrophique, ils sont en train d'épuiser les ressources de la planète Lamako, mais non, c'est pas grave, ils veulent abandonner Midgard actuel et aller construire Neo Midgard dans le prochain paradis, histoire de encore une fois tout défoncer. Voilà, c'est la Shinra, il laisse tomber quoi. On est actuellement, donc après avoir sauvé Iris des mains du terrible professeur Ojo, on est dans l'endroit où elle était retenue en fait, à la Shinra. Donc c'est son ancienne chambre, on voit les peintures qu'elle a dessinées au mur et qui font référence bien sûr au peuple des anciens, avec la magie, les matériaux, on voit les petites boules et tout ça, c'est très joli. On a également fait la connaissance d'un nouveau personnage qui est très stylé, il s'appelle Red 13, Red 13, c'est un espèce de lion-tigre qui parle, voilà, j'étais très étonné, mais c'est très très stylé. Donc écoutez, on va continuer, j'imagine qu'il va falloir faire sortir Iris de là. En tout cas, la mission de sauvetage est plus ou moins bien embarquée pour le moment. Merci d'être présent, d'avoir été déjà jusque-là, de poursuivre l'aventure et continuer à soutenir les épisodes avec un petit like, un petit commentaire. C'est important. Je vais récupérer... Crois pas que tu devrais te reposer un peu plus longtemps. Je vais récupérer Mais ce si qu'il y a... ça te suffit, j'insiste pas. Dans le coffre, un bâton en métal renforcé. Oh, cool. Donc c'est pour Iris. Quand j'étais ici avec ma mère, c'est dans cette pièce qu'on dormait. Wow. C'est curieux. Rien n'a changé ici. Ah ouais. Tous les matins, il venait pour emmener ma mère quelque part. Je restais seule. Souvent, je pleurais. Iris, avant notre fuite, tu peux nous raconter, même si c'est compliqué. En réalité, je suis une survivante des anciens. Ça, vous l'avez compris, j'imagine. Tout à fait. Ah, cette appellation d'ancien, elle nous a été donnée par la Shinra. À l'origine, on nous appelait les Cetra. Oh, les Cetra. De la planète, nous naissons. Avec elle, nous parlons. Et sa voix, nous écoutons. Et un jour, à la Terre promise, nous retournerons. Le bonheur suprême nous attend sur cette terre, don de la planète. Quel savoir ? Tu me flattes. En fait, je croyais que c'était qu'un conte pour enfants, moi. Pas la Shinra, c'est sûr. La terre promise, il la cherche depuis longtemps. Et toi, tu sais où elle se trouve ? Cette soi-disant terre promise ? Pas du tout. Un jour, peut-être que je le découvrirai. Mais là, j'en ai aucune idée. En tout cas, c'est la terre promise des anciens. Enfin, c'est la tienne et celle de ton peuple. Même si ça devait être un lieu somptueux où la Mako abonde, la Shinra a pas le moindre droit dessus. Et ils veulent l'accaparer, c'est ça. Leur cupidité me démette. Bon, toi, Cloud, tu vas emmener Aeris hors d'ici. Moi, je vais défoncer ces salauds avant de rentrer. Non, attends. À vrai dire, c'est compliqué. Encore ces fantômes.
bordel, qu'est-ce qu'ils nous veulent encore, ces trucs-là? Ils sont créés par la Shinra ou quoi? C'est des fileurs. Des fileurs? Le terme de gardien du destin, est-ce qu'il est défini de mieux? Ils apparaissent devant ceux qui essaient de changer le cours du destin. Oh. Et leur font rectifier leurs actes. Du destin? Comment ça? Autrement dit, c'est le cours qui va de la naissance de la planète jusqu'à sa mort. Et ce cours de la vie est prédéterminé. C'est bien ça? Oui. L'énergie de la planète sera bientôt épuisée. C'est vers cet avenir désespéré qu'ils veulent nous conduire, ces maudits fileurs? Attends, attends, attends. Comment ça se fait que tu saches autant de choses, toi? Tu fais mine de t'y connaître, mais tu dirais pas n'importe quoi! Ah, mais en fait, t'es un clébard de la Shinra! Je suis pas un chien. C'est au moment où Aerys m'a touché que j'ai appris l'existence des fileurs. S'il vous plaît. Écoutez. Aerys! Ah. Notre véritable ennemi, c'est pas la compagnie Shinra. C'est bien eux qui ont tout commencé. Mais ce qui nous menace, c'est autre chose. Je voudrais faire mon possible, coûte que coûte, pour vous tous et la planète. Aerys, qu'est-ce que tu sais au juste? Dis-nous tout, Aerys. Pour l'instant, je suis perdue. Plus j'avance, et moins je sais où aller. Quand les fileurs me touchent, j'ai l'impression de perdre un bout de moi. Les fleurs jaunes, c'est elles qui montraient le chemin. Ça ira. On va y arriver. Ouais. Oh, qu'est-ce qui se passe? Eh ben... Qu'est-ce qui se passe? On a entendu une explosion, non? Mais qu'est-ce que vous faites? Hey, Wedge! Oh, je faisais un sacré souci! Wedge! T'étais là? Ça va? Est-ce que tu tiens le coup? Elmira et ses petits plats m'ont vite remis sur pied! Mais c'est vraiment pas le moment de bavasser! Bientôt on va. Qu'est-ce qui se passe? Une bombe? La branche principale passe à l'attaque. Oh. Ils vont semer la pagaille et attaquer le président. Ça complique les choses. L'explosion a déclenché la procédure de confinement. Oh. Wow. Gardez votre calme, jeune fille. Regardez, vous pouvez encore vous déplacer dans les laboratoires. Vous pouvez aller sur le toit? Un hélico d'avalanche vous y attendra. Quoi, un hélico du QG? Après ce qu'on a fait, ils voudront pas nous aider! Je leur ai demandé gentiment. Je les ai même suppliés. Merci. Magnifique. Bon allez les gars, à plus tard. Bien joué Wedge, t'es le meilleur. Ah, il est blessé. Ah, il se donnait du mal pour pas paraître blessé. Il exagère, on lui avait rien demandé. Oui, mais... il nous a sauvés. Hein? Enfin, il perd rien pour attendre. Bon, on a enfin appris ce qu'étaient les espèces de fantômes, là. Et donc, ils appellent ça les fileurs. C'est aussi les gardiens du destin. Et ils font en sorte que le destin suive son cours. Et je crois que c'est un petit peu lié aussi au premier FF7. Puisque j'ai vu pas mal de choses comme quoi... il y aurait des changements par rapport au FF7 de base. Du coup, je me dis... Attends, on va aller voir par là. Ah bah, il y a une petite, des petits achats à faire. Ether, alors on va en acheter deux. Du coup, je me dis, c'est un peu...
Attends, armes et protection, ok, accessoires, poignée de force, tout ça, tout ça. Boucle d'oreille platine. Ah ouais, j'ai pas essayé, d'accord, laisse tomber. Materia. Ok. Ouais, c'est un peu finalement les gardiens de l'histoire de FF7 de base. C'est rigolo. C'est pas du tout le chemin, mais bon, on va aller. Attendez, on va aller voir par là. Ah d'accord, il y a un ascenseur, ok. Mais on peut pas y aller. Ok, on y va. C'est comme si les fillers, ils étaient gardiens du destin de l'histoire du premier FF7. Et que là, bah on essayait de modifier le destin avec ce nouveau jeu, de ce que je comprends. C'est rigolo. Je sais pas si c'est un peu méta comme ça, mais ça serait marrant. Oula, pardon, je cours un petit peu vite. Par contre, tout le monde est dans l'équipe, là. Tifa, Iris, Cloud, sauf même Barrett. Attends, on va regarder. Ah non, on a Tifa, Iris et Cloud. Donc attends, parce que je crois que... Ouais, Aerie, ça fait 60... Ouais, on l'a... ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu. Donc, je vais lui améliorer ses petits PA. Ah ouais, il y a des nouvelles branches qui apparaissent, forcément. Alors, ok, donc là, on avait ça. Ensuite, attaque magique plus 6, let's go. Qu'est-ce qu'on a de régénération meurtrière? Restore des PV lorsque le personnage voit un ennemi. Ok... Attaque magique plus 6. Allez, vas-y. Tac, tac. On va passer à la dernière branche. Emplacement de matéria, connexion. Trop bien. Ensuite. Ah bah, j'ai déjà plus de PA. Putain, c'est passé vite, hein. Les 61 là. Du coup, je vais lui réorganiser un petit peu ses matérias parce que c'était elle. C'est elle mon soutien. Surtout que Barrett, il est plus avec nous. Je vais lui mettre du coup le fameux bracelet de sorcier. Magnifique. Je crois pas que j'ai mieux pour l'instant. Et en boucle d'oreille, qu'est-ce qu'on a? Plutôt un accessoire. Rien de spécial. Alors, pour les matérias, ok. Qu'est-ce qu'on a? Je vais lui mettre PM augmenté. Je vais lui mettre air d'effet qui était initialement pour Barrett. Je vais le mettre à Iris. Avec foudre, ce sera très bien. Je vais lui mettre PM augmenté que j'avais mis à Barrett, mais celui-là je vais le mettre à Aerys pour que ça puisse augmenter avec elle. Et pareil pour PV augmenté. Voilà. Tac. Je vais lui mettre en invocation Aerys le truc Chocobo, l'invocation Chocobo et Mog. Voilà. Parfait. Et bah voilà, on est prêt. Let's go. Vous êtes sûr que c'était par là l'ascenseur? Certain. L'odeur de Ojo flotte encore par ici. Il est où Red 13? Ah, il est là. Des barres. Putain, on est vraiment nombreux. C'est la première fois qu'on est aussi nombreux. On a toute l'équipe. Plus Red 13 en plus. Et pour l'instant, Barrett fait pas réellement partie de l'équipe pour les combats. Donc je pense qu'il va peut-être pas rester avec nous. Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est vraiment bizarre. Tous les incubateurs sont vides. Ça sent mauvais, ça. J'aime bien la voix de Red 13. Ben comment on fait? Oula! Les incubateurs sont vides. Il y a des choses qui se sont échappées. Oh là là, les revoilà les hommes poissons. Boum, yes. Bam, bam. Allez, vas-y. Yes. Oh. Wouhou. Yeeha. Alors, sans nom. Ils ont pas de nom. Ça va, c'était facile. Oh. Oh. Waouh. C'est chaud, bordel. Est-ce que c'est un humain dans un corps de chien? De tigre? De lion? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok, donc c'est par là-bas. Qu'est-ce que tu regardes, Tifa? Rien du tout.
C'est trop marrant de les voir tous ensemble, hein, tous les cinq. Oui. Oh. Une plume noire. C'est vrai que aussi on a vu que Cloud avait un certain lien avec Genova dans l'épisode précédent. C'est très bizarre. Je crois qu'en voyant Genova, il a dit « Maman, Cloud ». Sachant que Sephiroth est aussi le fils de Genova. Est-ce que Cloud aussi ce serait le fils? C'est trop bizarre. Waouh, c'est quoi ça? On est où là? Le terrain de jeu de Hojo. C'est le secret de la Shinra. Dommage qu'on ait pas le temps de tout défoncer. Faut vite qu'on aille sur le toit. C'est justement pas ça qu'il avait vu, Cloud? Y'a quoi là-dedans? Oh là là, c'est ça. Le corps de Genova. Oh. C'est quoi ce truc? Genova. Cette planète ensemble. Et tout le reste. Je les déteste tant. Cloud? Oh, elle l'a vu? Il est vraiment là, ça veut dire? Waouh, les gars. Première apparition. Oh, j'en ai des frissons. Je veux savoir. Savoir si c'est toi. Putain, c'est quoi ce délire? Pauvre de toi. Pourquoi il est si mal? Ne résiste pas. Wow! Wow! Oh mon dieu! What? C'est prodigieux. Je le savais, ma théorie était correcte. Pour la suite, j'espère que tu ne me décevras pas. Comment il a fendu le pont sans aucun problème, les gars. Waouh, c'est la première apparition de Sephiroth. Réellement. Parce que jusque-là, il apparaissait qu'en vision. Je les retrouve. Pourquoi il est si mal, Cloud, dès qu'il voit... Faut que je tire ce levier. Dès qu'il voit Sephiroth, c'est quoi ce truc? Il lui dit ne résiste pas. Ce sont des incubateurs. Oh. Ils ont l'air solides. Oh, il y a des trucs dedans, effectivement. Non, mais Sephiroth, il est trop fort, les gars. Et donc, c'est bien le corps de Genova en haut. Oh. Là, je kiffe la tournure que prend l'histoire. Tous ces incubateurs. Ça reste dans wow. Déjà fini? Allez Cloud. Il faut qu'il arrive à résister, c'est pas possible. Il est fort, il faut pas qu'il reste comme ça. Attends, qu'est-ce qu'on a là? Oh, petite materia. Bénéfice.
Ah. Des expériences. Vous avez vu la Mako qui se libère. Hey, Red 13. Non, il rejoint l'équipe. Nouveau personnage jouable. En tant que personnage non contrôlable. Le mec il dit jouable. Ah non, non contrôlable. Autrement dit, il combat à vos côtés mais vous ne pouvez pas le contrôler. Ah, c'est dommage. Son équipement ne pouvant pas être changé, ce personnage n'apparaît pas dans le menu principal. Ah d'accord, carrément. Il est là mais il est pas vraiment là. Bon bah il nous aide. Ah, il nous fait des attaques hein. Je me demande si dans Rebirth il sera peut-être contrôlable, je sais pas. Sephiroth c'est bien contrôlable dans Rebirth donc. Oui. Où sont les autres ? Pas par ici, on dirait. Cherchons-les. Ah, ça me fait plaisir en tout cas qu'il soit venu nous aider. Il nous connaît pas plus que ça, tu vois, mais. Mais il est venu nous aider. Merci, Red 13. Est-ce qu'on peut l'appeler Red 13 ou pas ? Alors. Qu'est-ce qu'il y a ? Red 13 peut se déplacer en sautant sur les. Oh ! On voit pareil l'icône. Ok. Trop bien. Ce levier. Il n'est pas du bon côté. Je devrais pouvoir l'atteindre. Quelle agilité. T'es sûr? Waouh. Oui. Il est trop fort. Trop cool. Et hop là. Je pense que c'est un homme qui a été mis dans un corps de bête. Merci, mais attends, je vais aller voir. Je vais aller voir là-bas, il y a un coffre. Ça ira parfaitement, merci. Toc. C'est fou cet endroit. Hein. Il est tellement classieux. Une queue de phénix. Merci. Hop là. Allez, je pense qu'on peut. Médaille Mog. On peut ressortir. Il faut retrouver les autres. Le barillet, salle numéro 1. On entend Barrette. Pourquoi il fabrique des trucs dégueulasses? Je suis là. On s'est pas perdu longtemps de vue hein. Waouh. Ouh, c'est quoi ce truc là? Bim bim. Oh. Yeah. Ok. Bah ils sont où les autres? Ah, c'est pas fini. Oh, je croyais. Allez, viens là. Un coup, ce truc, il est sensible à la magie. Un coup, il est sensible aux attaques physiques. Oula. Regarde, il sort des trucs. Oh là là, c'est pas vrai. Yes. Ouais, c'est ça. Oula. Lacérateur. Oulé. Waouh. Ah, waouh, waouh, attends, je vais passer avec Barrette. Grosse décharge. Extra foudre. Hiha. Extra foudre. Foudre punitive. Arrête de tournoyer. En fait, je pense en plus. Aouh. Et extra foudre. C'est bon, je vais repasser avec Cloud. Yes. Wow. Attends, je vais soigner mon ami Cloud parce que je vois qu'il est dans le mal. Et... Boum. Ah, c'est même pas la peine d'essayer de se rapprocher quand il tourne comme ça là. Ah, mais Cloud il est en. Cloud il reste dessus. Allez. Ouh, yes. Aïe aïe aïe. Bam 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 bam. Allez, 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 allez. Grosse décharge. Extra feu. Ah, allez, il est mort. Yes. Alors, tu vas bien? Oui. T'en fais pas. Ouais, enfin, c'est facile à dire. Une sortie. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'abord, on retrouve Tifa et Aerys.
Après, on se casse. Ouais, c'est plutôt un bon plan. Il va y avoir un ascenseur. On a perdu du temps, mais ça change que dalle, en fait. Hop, en route. Allez, en route. Alors, y a rien à récupérer ici. Attends, nous, on est venu d'où? De là, ok. Qu'est-ce qu'on a, là? C'est un ascenseur? Non, pas vraiment. Par contre, il faut que Barrett, il nous soigne, là, parce que c'est chaud. Allez, on y va. On est retourné dans la salle principale du corps de Genova. Hmm. 0-1. Il a verrouillé la porte. Faut continuer. Lame jumelée. Une nouvelle épée pour Cloud. Waouh, c'est quoi ça? Adopte une posture permettant d'effectuer une puissante riposte en cas d'attaque ennemie. Épée forgée en associant deux lames permettant d'exploiter pleinement les matériaux. Waouh, elle est belle en tout cas. C'est vrai qu'il y a deux lames. On dirait deux épées qui ont été collées. Elle est magnifique. L'épée jumelée. Ok. Bon bah faudra je regarde ce que ça vaut. Là je peux pas passer. Il y avait une matéria au bout. Est-ce que c'est le pont que Sephiroth a brisé? Non. Ah quoique. Vas-y, Red 13. Allez. C'est pas moi qui pourrais faire ça. Ah non, tu pourrais pas. Oula! Il se fait attaquer. Qui a lancé des haltères? Oh, les filles! On a réussi. Elle forme une bonne équipe quand même. Tout le monde s'amuse, c'est formidable. Bon, tu peux tirer le levier maintenant? Il y a un escalier, je pense qu'on peut vous rejoindre. Ok, vas-y. Allez, vas-y. Et ouais, effectivement, on voit les filles qui sont en train de descendre. Hop là, hop là, hop là. Là-bas? Qu'est-ce que tu dis? Il y a quelque chose là-bas. Ah, il y a un truc, elle a dit. Ah, il y a une machine. PHS Terminal. Allô, Cloud, tu m'entends? Ah, c'est un téléphone. Vous quoi. Vous allez bien? Oui, ça va. Mais on est toujours séparés. Cette pièce est toute une sac. Est-ce que vous m'entendez? Autre jour. Bienvenue. Vous êtes dans mon plus grand labo, le Barillet. Qu'est-ce que ça fait de se tenir à l'épicentre du progrès? Rendez-vous compte de la chance que vous avez. Et en prime, vous allez même pouvoir m'aider à vérifier une de mes conjectures les plus audacieuses. Quoi? Dès que je serai prêt, j'ouvrirai la porte du laboratoire numéro 3. Ah non, en fait, puisque vous êtes là. Autant que vous vous occupiez des préparations vous-même. Je compte sur vous pour me fournir des données inédites. Et puis quoi encore? Il croit qu'on bosse pour lui. C'est ça, ouais. Je te jure. On est vraiment obligé d'écouter? Je pense que oui. Il ne relâche jamais personne avant de récupérer les données qui l'intéressent. Il parlait bien du laboratoire numéro 3. Il me semble que je l'ai vu à l'étage tout à l'heure. On y va à deux? Changer d'équipe, ok. Puisqu'il demande. On ne pourra pas vous aider. Faites attention. Merci. Donc on va jouer maintenant avec Tifa et Iris. S'il se passe quoi que ce soit, vous nous appelez, ok? Compris. Bon bah comme ça on va aller voir ce qui se passe au laboratoire numéro 3. Dis, tu t'inquiètes pas pour Cloud? Ces derniers temps, il n'est pas lui-même. C'est vrai, mais je sais qu'il est solide. Et toi, Tifa, tu tiens le coup? Hein? Oui, bien sûr. Je trouve ça cool qu'on puisse changer d'équipe. Et qu'est-ce qui se serait passé si on avait... si on était resté avec... Bon, bah, Barrett et Cloud et Red 13. Laboratoire numéro 3. On dirait, mais la porte a l'air fermée. Peut-être qu'on peut l'ouvrir d'ici. Cherchons comment faire. D'accord.
Ouais, attends, là il y a une... Ah, il y a un endroit pour se soigner, ok. Bah écoute, on va déjà se soigner, soigner nos PV. Il y a même une petite machine à potions. On va voir s'il y a des choses en promo. Ouais, il y en a. Méga potion, on a 3 en promo, magnifique. Et 2 éthers. Allez, c'est parti. Est-ce que c'est censé ouvrir la porte? Je crois. Cloud, tu m'entends? On a trouvé la porte du laboratoire numéro 3. Mais on peut pas l'ouvrir. Ah bon? Ah bon? Tiens, j'y pense. Les préparations dont parlait Ojo, elles ont peut-être à voir avec ce truc? Le terminal central. C'est bien possible. Changer d'équipe? Oui. Ah d'accord, on va switcher d'une équipe à l'autre en fait pour pouvoir avancer. C'est ouf ça. Alors du coup j'imagine qu'il faut que j'envoie Red 13. J'y vais. Nous frayer un chemin jusqu'au terminal central. Et peut-être qu'en faisant quelque chose sur le terminal central, ça va nous ouvrir la porte du laboratoire numéro 3. Où se situe Aeris et... Ah bah y a rien là-bas, le pauvre, je l'ai envoyé pour rien. Pas d'interrupteur. On ne peut pas passer par ici. Ah. C'est embêtant, c'est embêtant. Du coup, attends, je crois qu'il faut que je rechange d'équipe. Parce que j'avais vu un interrupteur. En fait, quand je les appelle, on peut changer d'équipe, si je comprends bien. Hop là, d'accord. Ah, c'est tout nouveau comme concept. Ok. Enfin, je parle dans le jeu, quoi. Là, on peut y aller. On va se frayer un chemin jusqu'à là-bas. Il y a un coffre. Ah bah, il y a juste un coffre, en fait. Aeris, elle court dans le vide. Regarde, ils pourront traverser en bas. Ah, magnifique. Ok, ça a ouvert tous les niveaux, en fait. J'ai compris. Il faut le dire à Cloud. Oui, mais d'abord, je prends le coffre, tu permets? Un éther, d'accord, c'était vraiment pas ouf comme récompense, mais bon. Cette fois-ci. Hop là. On rechange d'équipe. Donc, du coup, si on était resté avec l'équipe de Cloud, effectivement, on n'aurait pas été très loin. Parce que on n'aurait pas pu ouvrir le chemin. On va essayer d'aller jusqu'au terminal central. Bougez pas, on vous rappellera. Ah bah, elles peuvent pas bouger, de toute façon, je te rassure. Il est censé étudier quoi, l'autre ordure? Le fléau venu du ciel. Genova. Pour Ojo, c'est toute l'œuvre de sa vie. Son CV, j'en ai rien à foutre. Concrètement, les expériences qu'il fait ici consistent à implanter des cellules de Genova dans des créatures et des machines diverses. Hein? Il cherche à renforcer ses cobayes. Ojo est en train de nous utiliser pour parachever ses créations. Y en a, ils sont vraiment malades. Quoi qu'on fasse, les spécimens de Ojo sont condamnés. Abrégeons leur souffrance. Du coup, Sephiroth est une des créations de Ojo. Et peut-être... Wow. Et peut-être... Ah, je vais tuer le drone paralyseur déjà. Et peut-être même Cloud aussi, parce qu'il a dit maman en voyant... Bim. Wouhou. Allez. Tac. Wow, ça fait mal ça. Turbo ATB. Allez, on va faire monter sa jauge de choc là. Allez, il est en choc. Ah oui, c'est vrai que quand il est en choc, on peut pas l'atteindre. Extra foudre. Oh là là, il est chiant, je peux pas l'atteindre. Tellement ennuyeux. Je me protège. Aïe 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 aïe. Ah ouais, même avec la protection ça fait mal quand même. Elle est bien finie. Ouais. C'est une très bonne attaque quand même, hein. Bien finie. Là on a un levier qu'on peut tirer.
Je sais pas ce que ça va faire. Oh, ça... Oh, ok, ça... crée un pont. Très très cool. Et là, je peux pas y aller. Tifa et Aerys sont devant le laboratoire numéro 3, c'est bien ça? Ouais. Il y a 4 interrupteurs. Un par laboratoire, peut-être. C'est ça. Donc, on va essayer d'allumer le numéro 3. On va voir si ça marche. Ça fait quoi? Transfusion réussie. Transfusion réussie. Début de l'expérience dans la zone concernée. Ah, ça envoie des cellules de Genova dans le laboratoire concerné. Donc attends, on va affronter des... On devrait les appeler. Et leur recommander d'être très prudentes. Ouais. Parce que là, le truc qu'elles vont devoir combattre, ça va être un... Chronomancie, ça va être un... un ennemi qui a les capacités de Genova. Et c'est que un laboratoire à la fois, hein, parce que le numéro 1, c'est éteint. Allez. Et le 3, c'est allumé. Tifa, tu m'entends? On a activé le terminal central. Ça doit être ouvert. On change d'équipe. Le labo doit être rempli des créations de Hojo. Ne prenez pas trop de risques. Merci. On va voir et on revient. Allez les filles, on y va. Salle numéro 3. Attends, il y a des petits coffres. J'arrive. Médaille Mog. Ah, je sais pas si on aura l'occasion de retourner au secteur d'Aerys, mais bon. Ok, là on a un levier. Wow. Oh, ok. Bam. Enseignement secret pour augmenter la puissance des attaques. Bam. Hiha. Dragon ascendant. Oh, Tifa est passé niveau 33. Ah, il a voulu nous faire un méga foudre. L'escroc. C'était pas si dur. Franchement, c'était plutôt facile. J'ai envie de dire. C'est quoi cette pièce? Waouh, il y a plein de cages. Trop chelou. Ok, là il y a un coffre. Oh. Ne bouge pas. Tout va bien. Ok, on est passé de l'autre côté. Waouh, il y a des chiens partout là, dans les cages. Quelque chose me dit qu'ils vont se libérer. Et voilà, super. J'appelle ça des dogs. Bam. J'adore me taper avec Tifa, c'est trop cool. Allez, frappe déstabilisante. Oula. Par contre là, il va falloir me soigner, s'il te plaît, Aerys. Merci. C'est pas fini. Yeah. Wow. J'arrive. Ils sont résistants quand même, hein. Oh, raté. En fait, ils arrêtent pas de courir, ils t'attaquent, après ils se barrent, après ils t'attaquent. Oh, j'ai une petite transcendance qui est disponible, saut périlleux. Allez, sur celui qui a le plus de vie. Waouh. Elle a fait grave des dégâts, hein. Allez, viens là, arrête de courir. Extra foudre. Ouais, parce qu'au bout d'un moment, il court trop, tu vois. Là, je vais prendre Aerys. Extra glace, tiens. Arrête de bouger. Et Aerys est passé. Ah non, elle a pris évolution de la matéria soin. Trop bien. Magnifique ça. C'est quoi le prochain niveau de soin? J'ai déjà extra soin, c'est quoi? Full soin. Waouh, il y a des bruits bizarres ici, hein. D'ailleurs, en parlant de soin, bah justement, on va voir c'est quoi
Soin, extra soin, récupération, méga soin. Oh yes. Ah ouais, 7000. Waouh, ça c'est le feu les gars. 7000. J'ai même pas besoin de récupérer autant. Voilà. Ah ouais, mais c'est trop bien ça, méga soin. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouah, il fait peur lui. Oh. Ça devient agaçant. Zenen. Waouh. Enseignement secret. Allez, vas-y. Waouh. À mon tour, c'est ça? Tu peux t'en charger? Je m'en occupe. C'est... Ouh. Yes! Oh bah il a rien compris lui. Zenen là. Je pensais que ça allait être un boss un peu compliqué. Pas du tout. 5000 guilds, ces amis! C'est la richesse chez la Shinra. Incroyable. On continue. Et on a été jusqu'au bout. Ah non, il faut tirer ça. Ça va ouvrir un autre côté. J'espère qu'on n'aura pas à faire tous les laboratoires, parce qu'il y en avait beaucoup. Et ils sont quand même assez longs. Médaille Mog, Pierre Mako, un antidote. Et on peut remonter. Regarde. Oh. Passons par en haut. Ouais. Il y a encore un Zenen en bas. Oula, faut pas tomber les gars. Il y en a même deux. Un là. Et un là. Oulala, là là. Il y a un coffre jusqu'au bout. Oh, je le sens pas ce truc. On a failli réveiller. Oula. Aïe aïe aïe, je le sentais pas ce tuyau. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Ils ont l'air énervés. Oh oui. On n'a pas le choix. On les a réveillés, je crois. Ah ok, les filles, on y va. Bam! Enseignement secret. Et c'est parti. Allez, tigre rugissant. Bam! Ouh! Hi-ha! Au! Piqué du talon. Boum! Allez, lui il est mort. Allez, tiens-moi, Iris. Tiens bon. Bam bam bam, phénix plongeant. Ouais, wow. Tigre rugissant. J'adore ces enchaînements. C'est réglé. C'est trop stylé. Je vais remonter à l'échelle puisqu'il y avait le coffre au bout qu'on n'a pas pu prendre puisqu'on est tombé. Si ça avait été Cloud, il serait pas tombé lui. Mais bon, Cloud il a l'avantage d'être un soldat. Oh, une méga potion. Bah écoutez, ça vaut le coup. Vu le prix des méga potions. Pardon, Iris, tu me gênes. Voilà. Et on peut redescendre. Mais il est immense, ce laboratoire numéro 3, là. Sort, extra soin, Tifa. Ah, on est ressorti. Attends. C'est la sortie, tu crois? Ouais. Ah, c'est la sortie, ça. Tu reconnais pas ou quoi? Ah, on est... Ouais, ok. Numéro 3. Je n'ai jamais autant haï quelqu'un. Ah bah c'est rare, hein. Iris qui hait quelqu'un, Iris qui aime tout le monde, c'est que c'est vraiment pas quelqu'un de bien, du coup, le... Docteur Ojo. On a des caisses ici. Alors, on peut descendre. Je crois pas que ce soit le chemin, mais à mon avis, on peut peut-être trouver des trucs cool. Voilà, par exemple, un coffre. Un éther et là-bas, on n'a pas arrêté 13 avec nous, donc on peut pas aller actionner le levier. Mais bon, si on arrête 13 avec nous, pourquoi pas y retourner. Nous, on va du coup aller là-bas. Où sont mes garçons? Oh! Lance-missile. Sérieusement? Sérieusement. Bam, 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 bam.
Wouhou. Aïe. Wow. Allez, phénix plongeant. Tigre rugissant. Dragon ascendant. Ouais, je sais, je force. Hein. Frappe déstabilisante. Allez, un de moins. Lance missile numéro C. Allez, allez, allez. Oh, recule, recule. Go. Oula, Tifa, Tifa, elle est dans la merde. Extra soin, vite. Oh non, elle a pris le soin. Elle a pris le soin, elle est trop tard. Bon bah on va essayer de faire en sorte que Iris se batte toute seule. Waouh, oh la puissance. Vous avez vu ça? L'extra foot de... Oh, l'extra foudre de Iris. Il a fait combien? 4000 de dégâts. Ah ouais, blague pas, hein. Oh, oh, oh. Ah, c'est pas une magicienne pour rien, hein. Qu'est-ce qu'on fout, là? Ah. Allez, on va pouvoir marcher sur les petits incubateurs. Ah, les garçons sont... Ok, en dessous. On pourra, on pourra. Tac, tac, tac. Ok. Et on va passer avec les garçons, du coup. Et on va pouvoir continuer le chemin, je crois. Ça va ? Oui. On vient d'utiliser un levier. Je pense que les incubateurs à votre étage sont sortis du mur. Ah ! C'est notre tour, alors ! Bien vu. On change d'équipe. S'il se passe quelque chose, on vous appelle. D'accord, faites attention à vous. Donc nous, je crois qu'il va falloir qu'on active par contre le numéro 2, parce que regardez là-bas, il y a... C'est la porte numéro 2 qui est fermée. Donc c'est parti, ça va être au tour des garçons d'aller dans le labo 2. Et si je comprends bien, il y aura aussi le 4 à faire. Transfusion réussie, transfusion réussie. Début de l'expérience dans la zone concernée. Waouh. T'as le petit Ojo, il vit sa meilleure vie, il est en train de récupérer ses données là sur nous, là, cet enfoiré. Non mais je rêve. Allez, c'est parti. Laboratoire numéro 2, le barillet. Ça sent. Encore une expérience de Ojo. En plus, je suis en train de me rendre compte que... J'ai pas tout toute ma vie là. C'est un peu relou. Extra soin. Allez, go. Les filles ont réussi. À vous les garçons, hein, de leur faire honneur. Il y a un coffre de luxe juste de l'autre côté. Ça sent le fight ici là. Ah bah il y a la Zenen. Oula. Oula. D'accord. Ah, faut y aller à fond, je suis bien d'accord. En plus, nous on arrête 13 avec nous. Tout ça c'est quand même très très cool. Waouh! Attends, mais c'est qui fait ce sort là? C'est Red 13? Ou c'est les Zenen? C'est Red 13, hein? Wouhou. Gain de niveau, Barrett est passé 33. Allez, on y va! On continue. Vous avez l'air de bien vous amuser. T'es où toi? Ah, il est là-haut, regardez. Ouais, exactement, Barrett. Moi aussi, je voulais lui tirer dessus. On se calme. C'est du verre renforcé, bien sûr. Je me croirais dans Star Wars, tu vois, Dark Maul, quand il est devant le truc. La porte laser, là. Il marche comme ça. C'est fascinant. Il en peut plus, il veut juste le tuer. Oh, viens là! Il a ouvert cette porte. Ouais, on n'a pas le choix. Je crois que c'était là qu'il y avait un coffre. Ouais. Bien vu l'ami. Oh, un bracelet mystique. C'est bien ou pas, hein? Équipement, cloud.
Bracelet gothique, gothique, bouclier, sorcier, machina. Oh, le machina est mieux. Oh, le machina. Ok. Et bah let's go. Et pour peut-être Barrett. Oh, Barrett il a... C'est vrai que je lui ai enlevé tous ses matériels, pauvre, je les ai affectés à Aerys. Ah mon dieu. Ok. Poignée de force. Du coup, je vais lui remettre PM augmenté. Elle est bien la Materia, gain d'expérience aussi, c'est stylé ça. Augmente les points d'expérience obtenus de 100%. C'est le feu ça. Qu'est-ce que je peux lui mettre? Chronomancie permet d'utiliser Hat. Ça, je sais pas c'est quoi. Je sais pas, je vais le mettre à Barrett, on verra bien. Donc PM augmenté, peut-être 2 PM augmenté. Ça peut être cool. Allez. On y va. Oh. Oula. Oula. C'est quoi ça? Ah c'est... Ok. C'est le truc qui tourne. Hein. Lacérateur. Et bam. Je vais déjà détruire les drones. Oula. Aouh. Aouh. Sors de là, sors de là. Ouais, je vais repasser avec Barrett, ce sera plus simple. Drone paralyseur, grosse de charge. Bon, ok, je repasse avec Barrett. Je repasse avec Cloud. Allez, je file les petits drones. Voilà. Et... Bam, bam, bam. Oh, c'est beau ça. Ok. Colère maximale. Je n'avais jamais utilisé ce truc là. C'est une dinguerie. Sort. Attends, objet. Bah, méga potion. Parce que maintenant les super potions ça sert plus à rien. Ah, c'est une dinguerie, colère maximale. C'est trop bien. Et chronomancie, attends, ça sert à quoi du coup? Sort. Hâte. Augmente temporairement la vitesse de remplissage de la jauge ATB. D'accord, ok. Oh, c'est cool. D'accord, je comprends mieux. Bam. Ah, c'est pas mal, hein, d'avoir chronomancie quand même. Alors, c'est comment de voir tes jouets préférés se faire fracasser? C'est un spectacle dont je ne me lasse pas. Si je leur donne la vie, je peux bien la reprendre, non? Ah d'accord. Ça fait partie de mon métier, comprenez? Bon, passons à la suite. Continue de parler, hein. J'en profite pour soigner mes copains. Bon, on continue. Le problème c'est qu'il ose pas nous rencontrer en face, tu vois. Ah, je me suis demandé s'il y avait un coffre comme de l'autre côté, mais cette fois-ci c'était des petites caisses. PM restauré, let's go. Hey, tu croyais qu'on allait te laisser tranquille? Crève, espèce de... Ils ne comprennent rien. Oh. Incroyable. Ah vas-y, défonce-le. Tue-le. Bon, je veux bien te donner un de mes jouets. Comment il l'a stoppé? Qu'est-ce que c'est encore que ce truc? C'est quoi ce délire? Marteleur. Ah bah c'est comme les, tu sais, les taupes là. Wouah, ça roule ça. Bam. Bim. Wouah. Enchaînement rapide, c'est pas mal parce que du coup... Waouh. Il y a du feu partout.
Cloud, Cloud, tiens bon. Cloud, il faut que je le soigne. Je peux plus attendre plus que ça là. Waouh, ils sont trop chiants eux. Viens là. Oh, ils ont des marteaux. C'est rigolo. Ah, on les a eu. Waouh. Vite, vite, vite. Ok, par là. Barrette. Waouh, j'ai pas eu le temps de me soigner. C'était quoi ce machin? Yojo. Désolé, il est parti. Cherchons la sortie. Sort, extra soin. Allez, on y va. Allez, les gars. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, c'est bien caché, hein. Un bracelet connectif. Connectif. Trois pierres Mako, c'est beau. C'est pas vraiment une infirmerie. Non, personne ne soigne les spécimens. C'est ici. Waouh. Il se passe quoi? Quelle est cette sorcellerie? Ah, c'est ça? C'est le même que tout à l'heure. Il a pas dû aimer être traité. Il est rempli de Mako ce truc là. Comment il s'appelle? Capsule cérébrale. Ah, il a du truc partout autour de lui là. Du poison partout autour de lui. Colère maximale, j'adore cette attaque. Oh, dommage, dommage, dommage. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a popé? Il se passe quoi là? Il se passe quoi? Tout le monde dort. Waouh. Les gars, tout le monde dort et en plus on perd de la vie. En plus je peux pas bouger. Capsule de poison, non. Waouh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est une dinguerie. Barrette, waouh, c'est un truc de ouf ce qui se passe les gars là. Extra soin, Cloud. Allez Cloud, te laisse pas faire. Ouah, c'est un bordel de ouf. Oh, il est incroyable ce combat. Heureusement que j'ai enchaînement rapide, comme ça j'en touche plusieurs à la fois parce que là c'est... Oh là là, on est stoppé. Regardez, je suis stoppé. Sauf Barrette. Gros, je décharge. Allez, ok. Colère maximale. Oh, allez, elle est incroyable cette attaque. Oh, là, c'est bon? Waouh. Oh, ce combat, les gars, il était inattendu, mais incroyable. Franchement, j'ai kiffé. Ah, c'était ouf. Ah, franchement, il était vraiment cool quand même. Hein. Extra soin. Ouh, j'ai bien eu peur à un moment donné. Hein. Ah, on est enfin ressorti. Magnifique. Eh bah, dis donc, c'était pas de la tarte, les garçons. Hein. J'ai même envie de dire que c'est plus dur qu'avec les filles. Hein. Il sait pas que les meilleures sont les plus courtes. Ici, il n'y a pas d'ascenseur là. Je vais appeler Tifa et Aeris. C'est dingue, dans ce monde de technologie, vous avez pas de portable, les gars? Non, mais attendez. Obligé d'utiliser des cabines téléphoniques. Vous êtes sérieux? C'est le labo numéro 4. Mais pour ouvrir la porte, on doit retourner au terminal central. Eh oui. L'autre porte s'est refermée derrière nous. On fait comment? J'espère qu'on n'est pas coincé. Déjà, on va se soigner. Mais je pense qu'on va trouver une solution avec les filles. J'ai pas de doute là-dessus.
On va acheter des petites potions aussi parce que mine de rien, on en utilise pas mal. Allez, on est comme neuf. Qu'est-ce que je vais acheter? Des méga potions, j'en ai 26, j'en rachète 3. De l'éther, je vais en racheter aussi. Queue de phénix, ça va, je suis bien. Remède, ok. Ensuite, j'ai 12 000, donc je pourrais acheter un bracelet suprême pour Tifa. Voilà. Et bracelet runique pour... Ah, pour Barret, je pourrais lui prendre ça aussi. Bracelet machina. Bracelet runique. Allez, bracelet machina pour Barret. Barret, il est temps de changer ton petit bracelet. Hop. Bracelet gothique, bracelet... Machi. Bracelet suprême, j'avoue, c'est pas mal aussi. Ah, j'avais bracelet connectif. Ah, j'aurais peut-être pas dû l'acheter du coup. Bah attends, ça dépend. Ça dépend. Iris, qu'est-ce qu'elle peut prendre? Bracelet de sorcier. Ah ouais. Peut-être Tifa. Bracelet bouclier. Elle perd un peu en attaque, elle augmente beaucoup en défense. 71 défense physique. Ah ouais, quand même, hein, plus 71. Ah, je vais lui mettre ça, je crois. Hein. Même si elle perd un petit peu en attaque en PS. Sinon, bracelet suprême, plus 9. Ouais, mais en défense, 71, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc du coup, barrette, poignée, bracelet. Du coup, je vais pouvoir lui mettre le bracelet connectif. Défense physique, défense magique. Bracelet suprême. Non, c'est bien ça. Défense physique plus 17. Défense magique plus 90. Ah, c'est mon tank en même temps. Hein. Je vais lui mettre ça, je crois. Bracelet connectif. En plus, ça lui fait plein d'emplacements de matériel. C'est trop bien. Celle-ci, elle a même une connexion. Qu'est-ce que je peux lui mettre? Avantage de choc. Point d'expérience. Vision. Je vais lui mettre résistance aux altérations, je pense. On peut associer bénéfice, chronomancie, containte et annihilation. Oh bah voilà, comme ça j'associe... Ok, très bien. Et Barret, il a plus d'invocation, donc je vais lui mettre gros chocobo. Très bien ça, attaque physique plus 4, force plus 2. Magnifique. Allez les gars, on y va, on est prêts. On va avoir besoin des filles, je le sais. Red 13, c'est ton tour. Merci. Merci. Et du coup, je pense qu'on est... On demande aux filles si elles peuvent aller jusqu'au terminal central. Exactement, comme ça on pourra rentrer dans le labo numéro 4. Probablement le dernier. Oh! Oula! Vite, vite, vite! Red! Tu t'en sors? Red! Oula, vous aussi! Merde, j'allais l'aider. Je m'attendais pas à ce qu'on ait ça. Ouh, compétence de fin infinie. Compétence fin infinie à prise. Trop bien. Bam. Allez, viens. Faut aller aider. Évolution de la matière à prière. Oh, raid. Oula, oula, il y a du monde. Ouais, vite, vite, vite. Raid est tombé à l'étage inférieur en même temps que vos ennemis. Sa barre de PV est affichée. Vite, vite. Oh mon dieu. Ok. Oui. Bonne idée. Allez, décroche. Tifa, tu m'entends? Décroche. Raid est tombé à l'étage du dessous. Vous pouvez l'aider? Oh non. Allez vite. C'est parti. Wow, la barre de vie de Raid. Elle descend. Waouh. Oh non, pas eux. Oh non, pas eux, ils mettent grave du temps à battre en plus. C'est pas vrai. Ouh. Bam. Bam. Oh. Dragon ascendant. Ouh. Ouh. Mais ça fait grave mal. Mais ça fait trop mal.
Aïe 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 aïe. J'arrive. Ah, Iris, faut me soigner là. Qu'est-ce que tu fais? Tifa. Voilà. Merci. Et soigne-toi toi-même, non? Piquer du talon. Oh, c'est pas vrai. Il faut vraiment des attaques rapides là parce que j'ai pas le temps de. Ah, c'est pas possible. Wow. Ah, ok, vous voulez jouer? On va jouer, on va jouer, on va jouer. C'est pas fini. Essayons d'en finir. Allez, il est en choc. Pendant ce temps-là, Red est en train de se faire déglinguer. Sort. Extra soin. Iris. Tiens bon. Cut. Oh non, pas eux. C'est que des ennemis chiants. Que des ennemis chiants, je vous le dis. Ah, il faut que je fasse des trucs genre frappe déstabilisante. Voilà. Bam. Oh, il a volé. Je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé à l'extérieur de l'arène. T'inquiète, t'inquiète, ça va rien me faire, ça. On s'en fout de ça. Tempête. Bam. Extra glace. Comme ça, je te stoppe. Hop là, il bouge plus. Magnifique. Let's go. J'ai envie d'une bonne douche. C'est quoi ce dialogue? Ouh là là là, la pauvre, il a la moitié de sa barre de vie. Red, je suis là. Bam. Je suis venu t'aider, mon petit gars. Ça va. Wouhou. C'est un travail d'équipe. En plus, sa barre de vie, elle continue de descendre. Hein. Ok, c'est bon. Il n'en reste plus non plus énormément. Ah ouais, il fait méga fou lui. D'accord. Moi aussi je peux faire extra foudre, hein. Tu vas voir. Les frissons garantis. Tu veux que je reste à l'écart? Bam. Allez, vas-y, Tifa. Allez, matraque-le. Yes, c'est bon, on a réussi les gars, on a sauvé Red. Ouh, c'est pas fini. J'en ai marre. Yeah, vas-y Tifa. Ouh. Oh, ce coup magnifique. Merci beaucoup. Beau travail. Comment vous allez tous les trois? On vient de trouver la porte du laboratoire numéro 4. Pour l'ouvrir, il faut retourner au terminal central. Mais ce n'était pas possible d'où on était. Peut-être qu'on peut y aller à partir d'ici? Oui, on va essayer. Oui, tout à fait. Sort. Extra soin, Tifa. Merci, on y va. Hop, hop, hop. Ouais, donc apparemment... Bah oui, avec Red, du coup, maintenant, il peut nous aider. C'est pratique. Ça tombe bien, du coup, qu'il soit tombé dans l'étage inférieur. On dirait que c'est à moi. Red, c'est vraiment devenu notre copain, genre. C'est notre... J'allais dire notre animal de compagnie, mais les gars, c'est une personne à part entière, on l'a compris. C'est vrai que sa forme, elle est un peu bizarre. Regardez, un ascenseur. Oh, mais c'est magnifique. Un ascenseur et ça aussi, surtout. Mais il fonctionne pas. Il n'en a pas fini avec nous. C'est ça que ça veut dire. J'en peux plus. J'en peux plus d'être son jouet. Il ne reste plus que le laboratoire numéro 4. Faisons confiance à Léo des Barrettes. Putain, c'est vrai, en fait, il fait ce qu'il veut, le mec. S'il veut qu'on sorte, on sort. S'il veut pas, on sort pas, quoi. Allez, la petite passe. Oh! Oula! Bam! Oula, ça fait mal ça! J'arrive! Iris. Extra foudre. Boum! Y'a rien qui l'arrête, Iris. Hein. Extra foudre, c'est un truc de ouf. Hein. Elle fait des one shot. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Elle est vraiment forte. On croirait pas comme ça, hein. Une bonne chose de fait. Tu vois la petite fille un peu fragile et tout, mais elle est, en fait elle est vraiment forte en combat. C'est un truc de ouf. Allez, du coup, numéro 4. Tac. Voilà. Transfusion le dernier. Transfusion probablement le plus dur, j'imagine.
C'est le dernier, c'est le quatrième. Ça va aller. Pas vrai ? Oui. Appelons Cloud pour le prévenir. Allez. On utilise la cabine téléphonique, les gars. Tu vas ? Oui. On a trouvé un ascenseur. C'est vrai ? Super. Le problème, c'est qu'il ne marche pas. Ojo a dû le désactiver. On n'a pas le choix. Il faut aller au laboratoire numéro 4, comme il le souhaite. La porte de votre côté devrait être ouverte maintenant. Compris. Restez où vous êtes. Bon. On retourne à la porte du labo. Allez. C'est Renault tour et du coup on a plus Red 13 avec nous. C'est toi et moi, Barrett. Numéro 4. Wedge doit commencer à se demander ce qu'on fabrique. Ouais. Tu sais, il t'admire beaucoup. C'est possible. Wedge, c'est un mec timide en fait. Oui, on a ça en commun. Et quand on a des emmerdes, on peut compter sur lui. Ça aussi, vous l'avez en commun. Oh, il a fait un compliment, les gars. Barret a fait un compliment à Cloud quand même. On peut le noter. Je sens le combat ici, non ? Même pas. C'est étonnant. Ok. Ah. C'est quoi ce bruit ? Cours ! Waouh ! Ah si si, il y a bien un combat. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est un genre de Léviathan ou quoi là? Il veut nous transformer en pâté pour mutants ou quoi? Waouh! Lamipède! Ouais, super! Ah, je peux pas lui taper. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je suis obligé de taper que la tête. Ce qui est un peu chiant, donc je vais rester avec Barrett. Me protège. Waouh. Je vais rester avec Barret parce que dès que je touche le corps, c'est compliqué. Ah, c'est comme. Ah, si je me touche dans le corps, c'est mort. Extra foudre, on va voir. Ah, il aime pas. Il lâche des bombes ou je rêve? Couvert maximum. Allez, choc combustible. Sphère d'énergie. Ah ouais, il balance des sphères, wow. Qu'est-ce qui lui arrive? Les filles. Ouh, il est parti voir les filles. Wow. Il arrive, il arrive. Wow. Allez, je vais partir avec Aerys. Ah, il fait le tour du truc lui. Ah bah attends, tu vas voir l'extra foot d'Aerys, il est pas mal hein. Attention, faut pas qu'il me touche. Oula, attention, reste à distance quand même Aerys. Oula. Oula, il fait carrément une roue le mec. Waouh. Allez, extra foudre. Ah ouais, il a mal hein. Ah ouais, il a mal. Tempête. Ah, elle a plus assez de... Attends, je vais lui prendre un petit... Elle a plus assez de PM. Prends un petit objet, un petit restaure tous les PM, Aerys. Wouhou. Hop les... Aïe, ah ouais, ça fait mal de ouf. Waouh, c'est quoi ce truc? Extra soin. Ah ouais. Sauf qu'elle va mourir, Tifa, là. Vite. Extra soin sur Tifa. Elle avait 138 PV, c'est un truc de ouf. Ah là, maintenant il est au milieu. Allez, t'inquiète pas, il va manger son extra food, il va bien le manger. Allez, go. Wow. Oula, 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 oula.
Aïe aïe aïe, ça fait grave mal. Et ça me foudre. Oh, il est en choc. Shifa, let's go. Il est mort. Un bracelet de puissance en récompense. Dis-moi qu'il est mort. Oh, y'a Red 13 qui est dessus. Waouh. Extra feu. Ah, j'ai adoré voir Aerys en action. En mode combat là, c'est très stylé. Vous l'avez vaincu. Vous ne me décevez pas. Vous m'avez procuré des données utiles. Commençons la prochaine phase de l'expérience maintenant. Mmh. Ah. Il avait quoi dans les mains là, Sephiroth ? C'est bizarre ça. L'ascenseur n'est plus bloqué. Attends, soigne-moi d'abord, on sait jamais, parce qu'en plus je vois que Sephiroth s'y rôde dans le coin. Donc je pense qu'il faut quand même être prêt à toute éventualité. C'est peut-être un piège. Non, ici les ascenseurs sont normaux. C'est vrai ? Alors ok. Drôle de bruit. Ah ouais, où est-ce qu'il nous a emmené encore? C'est pas possible, c'est sans fin. L'origine du bruit. Il y a quelqu'un qui tape. La porte est verrouillée de ce côté-ci, on dirait. Ah, c'est les garçons. Ah ouais. Ça fait longtemps. Ouais. Débat. Nous j'aime voilà trop cette équipe. Avec toutes ces conneries, on n'est pas en avance. Par ici, il y a un ascenseur. Hein ? Enfin, encore faut-il que Ojo nous laisse l'utiliser. À jouer à l'équipe, tout le monde. Du coup, attends. On va regarder le petit bracelet de puissance là qu'on a eu. Bracelet Machina, bracelet suprême, bracelet. Ok. Il est où le bracelet de puissance? Ah, c'est celui-là? D'accord. Peut-être à quelqu'un d'autre. Pas ouf. Aerys, peut-être. Non. Peut-être Barrett. Non. Pas ouf en vrai. On a pas mal de PA à assigner, donc je pense que je vais faire ça maintenant. Je vais augmenter son attaque physique tout simplement. Voilà, simple, basique. Je vais lui mettre ça. Régénération meurtrière, restaure des PV lorsque le personnage vainc un ennemi. C'est quand même stylé, je trouve. Je vais lui mettre celui-là, PV max plus 250. C'est mon petit tank, c'est Barrette, gros canon. Et voilà. Allez, tout le monde est prêt. On peut continuer. C'est par là. On a quasiment tous nos PV, donc ça fait plaisir. Est-ce que c'est par là même? Je dis c'est par là, mais... Oui, c'est censé être par là en plus. Ah, il y a un bouton. Ok, j'avais pas vu. Appuie sur le bouton. Le bouton tout rond. Bon. Super. Ça a l'air de marcher. L'ascenseur fonctionne, on dirait. Ojo s'est suffisamment amusé avec nous.
Il faut dire qu'on a bien travaillé. Il est fier d'avoir bien travaillé du coup. Au début, il était en mode je travaille pas pour lui. Et là, il est ah, j'ai bien travaillé, je suis content de moi quand même. Ok, Barrett, si tu veux. Tout ça pour revenir ici. C'est ouais. Clair. Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ah, on est tout au-dessus. Oh, c'est quoi ça ? C'est quoi ce bordel ? C'est quoi cette matière bizarre ? Qui a pu ? On risque de la croiser là-haut. On bouge. Ah bah c'est Sephiroth qui a été chopé le corps de la daronne. Oh c'est dégueulasse. C'est son sang. Ah bah y'a plus qu'à suivre. Oh me dites pas qu'on va tomber sur Sephiroth là. Ah c'est une dinguerie. Qu'est-ce qui nous attend? Le bureau du président. Et au-delà, le toit. Rien que ça. Attendez! Une fois monté, je pense qu'on ne pourra plus revenir par ici. On est prêt. Pas vrai? On peut encore retourner au terminal central avec l'autre ascenseur. Si vous avez quelque chose à finir, c'est maintenant. Aller sur le toit, oui, on va y aller, les gars. Je pense qu'on est prêt. Let's go! Prêt. C'est parti. Ça met un petit peu la pression. Hein. Je dis ça, je dis rien. Oh. La piste de sang. Ok. Ça monte ici. Le mec est pas discret quand même. Hein. Y'a pas un petit coffre là-bas? Non, c'est bon. Étage 69, direction générale. Waouh. On y est les amis. Ok, le sang va par là. Nous on va peut-être essayer de... Non, on va suivre le sang. On va rester... Attends, on va aller voir... Est-ce qu'on voit quelque chose par la fenêtre? Ah oui, on voit effectivement Midgard. On voit Midgard les amis. On va continuer... Et ça va ici, j'imagine que c'est le bureau du presidente. Waouh. Quartier du président. Attendez, j'entends quelque chose. Ah. Quoi? Waouh, attends, la vitre est pétée là. Il est où? Waouh. Oh ok, il y a un héliport devant. Je sais pas, y'a quelqu'un qui a besoin d'aide. C'est qui parle comme ça? Attends, on va se soigner parce que là je sens que ça va partir en live les gars. Oui monsieur, mais attends, je me repose d'abord, j'arrive, je vais te sauver. Enfin je sais pas qui tu es. Aidez-moi. Et on va acheter des trucs parce que visiblement il y a de la promo les gars. Hop là, Ether 2. Et que de Phoenix, bon, quand ils nous donnent des trucs comme ça en promo, tu sais que ça va envoyer du lourd en général. Accessoires, je regarde si on peut, si je peux améliorer mes petits personnages, mais j'ai pas assez d'argent, ok. Materia, PV augmenté, PM augmenté, ok. Peut-être un petit PV augmenté. Je sais pas à qui je peux le donner. En vrai, personne, hein. Pas terrible, on verra. Alors, vous êtes où, monsieur? Venez m'aider. Où êtes-vous? Aidez-moi. Oh. Oh mon dieu, ah c'est le président. Venez m'aider. C'est le président. Hey, à l'aide. Qu'est-ce qu'il fait là?
On dirait que Sephiroth t'a... Aidez-moi. Ah. J'ai toujours rêvé de t'entendre dire ça. Pitié. Je vais lâcher. Ah. Je vous donnerai n'importe quoi. C'est vraiment pas une question de fric, tout ça. Sauvez-moi. Ah oh. Oh, il le soulève d'un bras. Pas pitié. Je ferai tout ce que vous voudrez. Oh, moi je veux pas grand-chose en réalité. Si tu pouvais crever, la quasi-totalité de mes souhaits serait exaucée. Mais... je suis sûr qu'il y a autre chose que vous voulez. Mais pour qui tu te prends? Le mec qui veut négocier les pieds dans le vide. Waouh. M'arrête. Arrête. Il l'étrangle par sa cravate. J'ai vraiment cru qu'il allait le lâcher. C'est une ordure ce mec. Tu vas faire une annonce dans tout Midgar. D'abord, tu vas parler du secteur 7. Dire toute la vérité sur ce qui s'y est passé. Ensuite, tu vas laver la réputation d'Avalanche. Avalanche n'est à la solde de personne. Jour après jour, notre groupe se bat pour sauver le peuple et la planète de la Shinra. Tout ça au péril de nos vies. Tu vas leur déclarer, la Shinra se soumet à Avalanche. Tu vas le jurer. Lavez votre honneur. C'est donc cela que vous voulez. Je vois que c'est important. Que cela compte plus à vos yeux que l'arrêt des réacteurs Mako ou l'avenir de la planète. Hein? Putain! Vous êtes vraiment trop naïf. Quoi? La vérité, l'honneur, la gloire, la liberté. Que de vanité frivole. Imaginez, que serait l'avenir sans la Shinra? Un monde sans énergie Mako, tout serait vide et mort. Croyez-vous vraiment que le peuple serait prêt à endurer une vie de misère pour échapper à la menace abstraite d'une catastrophe potentielle? Ça a dû vous plaire de jouer les justiciers de la planète. Mais le rêve est fini. Oh, pour l'heure, demandez-vous si votre vision de la justice est vraiment légitime. Réfléchissez bien, car votre temps est compté. Mais toi, Président Shinra, c'est quoi la justice pour toi? Imbécile, tu n'as rien compris à ce que je viens de te raconter, c'est ça? Je ferai tout ce qu'il faut pour arriver à mes fins. Saisir toutes les opportunités. Éliminer les gêneurs et les gens inutiles. Je n'ai ni compassion, ni culpabilité. Wow, wow, wow. C'est féroce. T'es sérieux? Quoi ce délire? Ce truc, c'est... c'est ça.
la source de tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est quoi ça? Genova pulsation? Tentacule gauche? Waouh! Ah, c'est une illusion, d'accord. Waouh! Non mais c'est chaud là, comment c'est fait là? Il a attaqué Barrett. Tentacule droit. Allez, allez. Aïe. Allez, c'est bon. Tac. Boum. Waouh. Allez, bien fini. Wouhou. Ta ta ta. Allez, on le défonce, les gars. C'est... Ah, c'est dégoûtant. Genova pulsation. Allez, faut lui faire monter sa jauge de choc. Allez, la farm soigne un petit peu. Iris. Extra soin sur Cloud. Oh, il a une tête. Merci. Oh là là. Rayon de colère. Oh, ça fait mal ça. Dang, dang. Ah, il y a ses tentacules. Faut que je détruise ses tentacules d'abord. Ça sera mieux. Extra feu. Bam, bam. Parce que avec ses tentacules, elle nous fait des dégâts. Ok. Ok, 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 ok. Aouh, ça fait grave mal. Soin, s'il te plaît, soin. Extra soin sur Cloud. Merci. Ah, je peux pas l'atteindre. Iris. Aïe, ah, il est immunisé. Aspiration de mana. Immunité aussi, extra foudre, fais voir. Waouh, c'est moi qui me fais attaquer. Immunité, putain, elle est immunisée. Waouh. Ok, l'invocation est prête. On va appeler Ifrit, les amis. C'est parti. Ifrit, viens à moi, Ifrit. Ouais, baby, c'est ça qu'on veut. Allez, vas-y, envoie du lourd. Bam, bam, bam. Waouh, régénération. Hey, il se soigne, hein, c'est bien ce que je pensais. Ah, il faut défoncer les tentacules là, ça fait trop mal. Allez, je vais attendre que. Je vais faire une petite compétence d'invocation. Plongeon. Non, pas plongeon écarlate. Éruption de flamme sur Genova. Ça lui a pas fait tant de dégâts que ça, j'ai l'impression. Ah, ça y est. Bouclier activé. Waouh, je suis bloqué. Cloud est bloqué. Ok. Oh, on est tous bloqués en fait. C'est quoi ce délire? Ah, il va falloir soigner. Il va falloir soigner Cloud là. S'il te plaît, soin, extra soin sur Cloud. Merci. Attends, elle m'a pas vraiment soigné en fait là. Ah, ça y est. Je me suis dit, c'est quoi cette arnaque? Attends, je vais prendre une. Je vais prendre une méga potion pour Iris. Et je vais passer avec. Waouh! Allez! Allez, allez, allez! Je vais passer avec. Avec Tifa, tiens. Waouh! Allez, Ifrit! Il fait son flamme de l'enfer pour partir! Yes! Il a beaucoup de PV, ce Genova Pulsation là. Allez, tentacule droit. Je vais faire. Bam. Enseignement secret. Et on y va. Allez, on tape, on tape, on tape, on tape, on tape. Oula, là, recule, recule, recule. C'est pas bon ça. Elle est où, Iris? J'arrive. Oh, c'est Tifa qui est un petit peu dans la mouise. Boum. Je vais essayer un extra foudre. Ah ouais, ça lui fait mal. Hein. Oula, il est énervé. Wouah, qu'est-ce qu'il fait? Il balance des tentacules partout. Wouah, c'est quoi ça? Ok, super. Allez, je me remets avec Cloud.
Tentacule. Ah putain, il a sorti les tentacules, on peut les détruire. Ah ouais, il est immunisé, donc faut d'abord détruire ses tentacules, je pense. Enchaînement rapide. Ouh, attention à ça. Allez, viens là, toi. Tentacule F. C'est bon, il y en a une là-bas. Let's go. Allez, vas-y, Cloud. Boum. Wouhou. Faut toutes les détruire. Yibam. Yes. Il y en a beaucoup, hein. Wouh. Wouh. Saute, saute, saute. Allez, Red, toi aussi. Ah, let's go, c'est bon. Ah non, il y en a encore. C'est pas possible. Il y a toutes les lettres de l'alphabet, les gars. Ah, elle est magnifique cette attaque parce que du coup. Ça attaque plusieurs tentacules à la fois. Putain, le Genova lui est toujours immunisé. Hein. Aïe 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 aïe, ça fait mal. Ok, U. Putain, on va vraiment se faire toutes les lettres de l'alphabet, les gars, c'est un truc de ouf. Allez, bam. Bam. Je te les one shot moi avec le talon de Tifa. Wouhou. M. C'est peut-être la dernière. C'est possible. Allez, vas-y, Aerys. Extra foudre. Oula. Oh, Aerys, elle est tombée. Ok, on va vite la réanimer. Ça devrait aller. C'est de ma faute. Allez, go. Et une petite méga potion. J'ai pas assez de. Waouh. Ok. Immunité, immunité. Putain, il est encore immunisé. C'est quoi cette horreur? Je vais même pas lui faire une transcendance parce que ça sert à rien. Je vais faire une méga potion sur Aerys. Enfin, c'est pareil. Il y a encore plein de tentacules. Du coup, le Genova, de toute façon, il est immunisé. Je peux rien lui faire. C'est quoi cette escroquerie là? Oh! Immunité, non, immunité, hein, c'est un truc de ouf. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Extra glace. Ah putain, ça me le renvoie en fait. Ok, ça me le renvoie, je sais pas comment faire. Sort, attends, je vais soigner déjà Cloud. Puis Aerys aussi, il faut qu'elle se soigne. Méga potion. Ah, il est immunisé, assaut 2. Tentacule A. Ok, je crois que là on l'a jamais vu encore. Waouh. Yeah. Allez, Cloud. Tac, transcendance. Péril ascendant. Allez, vas-y, défonce-le là. Miroir activé. Waouh. Ah, il se l'est pris quand même. Je crois qu'il s'est pris des dégâts. Oh oui, il est en choc. Il est en choc. Il est en choc, on y va les gars. On y va. On donne tout. Oh oui. Il est pas mort. Waouh, il y a de l'acide qui tombe du ciel. Waouh. Waouh, plus d'acide. C'est quoi ce délire? Tentacule droit, on y va. Il est pas protégé là. Oula, sors de là. Allez, on lui défonce ses tentacules. Yes. Là, il est pas immunisé là, on est d'accord. Ouh. Allez, on défonce toutes les tentacules, les petits gars. Il y a une transcendance d'Aerys. Je vais attendre un petit peu. Je crois que la transcendance d'Aerys, c'est Vent Guérisseur. Extra foudre sur Genova Pulsation. Waouh, Tifa, elle est où? Allez, Tifa, il est bientôt mort, vas-y. Wouhou. Enseignement secret. Let's go. Allez. Wouhou. Bam. Même elle a une transcendance. Et bah c'est parti mon petit gars, saut périlleux. Allez Tifa. Waouh, 3000 de dégâts. La puissance. Allez, je vais faire un petit vent guérisseur pour tout le monde. Enveloppe
Merci. Enveloppe-nous de ton souffle bienfaisant. Magnifique, merci. Oh. Extra feu. Hi-ha. Allez, Cloud. Il va mourir. Bravoure du soldat. Ok. Il va mourir. Vie infinie. Attaque ultime. Oui. Oh. Magnifique. Oh. C'est quoi ce délire? Ah, donc c'était pas... Si. Ici l'hélicoptère Avalanche 3. Nous lançons l'opération sauvetage. Ah, c'est un fantôme, le mec, il disparaît. Tu tournes la tête, il est déjà plus là. La soigner. Barrett, tu vas bien? Barrett, il est mort, il a ressuscité. Ouais. Grâce au... Ton destin n'était donc pas de mourir ici. Bien. Oh. Merci. Je savais pas que Sephiroth il... Enfin, je pense que ça a surpris tout le monde parce qu'à mon avis, dans le FF7 original, ça se passe pas comme ça. Donc les gens, ils ont dû être vachement surpris, tu vois. Ah, c'est bon, il y a un banc. En fait, chercher un banc. Et du coup, voilà, les fillers, ils ont ressuscité Barrett. Truc de ouf. Donc on reprend un petit peu nos PV et tout. Hop, je regarde s'il y a des trucs en vente, mais non, c'est bon. Waouh. C'est un truc de ouf. Là, on voit les... Waouh, on voit bien la ville, hein. Ok, c'est par là-bas. Mais c'est bizarre, hein. Sephiroth, il portait, vous savez, les hommes qu'on avait... qu'on avait vu plusieurs fois dans l'aventure. Ces hommes qui ont été trop exposés à la Mako. Enfin, il portait... Non, c'est pas ça. C'est qu'il a utilisé un de ces hommes-là pour faire une espèce d'invocation illusion. Par contre, il porte bien le corps de sa daronne. Hein. Donc, il y a l'hélicoptère d'Avalanche qui est en train d'arriver pour nous sauver. Je pense que, par contre, ils sont pas au courant qu'il y a Sephiroth qui est sur le toit. Waouh. Qu'est-ce qu'il fait? C'est féroce! Le 2? Il est parti avec le corps de Genova. Est-ce que c'était vraiment Sephiroth même? Du coup... Tout va bien? Oh! Alors, tu l'as eu? Il s'est enfui. On devrait faire comme lui et dégager. Hein?
Oh! Je dis pas que c'est encore les Turcs. Manquait plus que ça. C'est qui? Vous aurez prévenu, c'est dangereux. C'est qui ce type? C'est Rufus Shinra, le digne fils de son père. Oh, c'est le fils du daron, du président, donc c'est à lui que revient la Shinra maintenant. Waouh. Rude et Reno, ils vont bien. On s'en va. Quoi? Dis pas de conneries. Si on se débarrasse de lui, la Shinra ne se relèvera pas. Aide Iris à rentrer chez elle. Il a la classe, Rufus. Je vais les tenir occupés. Alors je reste ici avec toi. Occupe-toi d'elle. Barrette. S'il te plaît. Bon, d'accord. T'as pas intérêt à tarder. Ah ouais, il est solo, quoi. Waouh. Tu ne serais pas un soldat par hasard? Dans ce cas, tu appartiens à la Shinra. Un ex-soldat. Je ne vous dois plus rien. Rattrapez les autres. Oh, il y a l'hélico en plus. On ne sera pas dérangé. Il a un flingue? J'espère que tu apprécies les chiens. Wow. Tu vas pas faire long feu. Tu me sous-estimes. Il s'appelle comment son chien? Ténébro. Vas-y, essaie. Wow. Pitoyable. Il m'a bouffé. C'est quoi ce délire? Allez, je vais d'abord défoncer son chien là. Je sens qu'il va m'embêter. Allez, allez, mange ça mes petits gars. Youh. Je vais le mettre en shot direct. Aïe. Bah alors ton chien il bouge plus. Wow. Allez vite vite hein, sa barre de choc là. Bam bam bam. Ah carrément je peux plus le détruire. Ils ont mis une croix. Je ne t'impressionne pas, c'est ça? Loin de là. J'emmène pas large. Seulement, j'ai ma fierté. C'est quoi ces... ces... Oh. C'est quoi ce truc de ouf avec ces pièces? Ok, waouh. Aïe 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 aïe. Pièce fumigène, toi il lance des fumigènes dans des trucs de ouf. Ah ouais d'accord, j'ai vu les fumigènes effectivement. Viens là, là. Voilà. Bam bam. Ténébro, ramène-toi. Aïe, ça pique. Ah, je suis immobilisé. Aïe aïe aïe. Il a vraiment des armes de ouf lui quand même hein. Pièce laser, attention. Ouh, j'ai eu chaud. Et aïe 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 aïe. Boum boum boum. Allez va crever le chien. Il est tombé. Ah il est même pas mort en plus. Maintenant on est vraiment tranquille. Waouh! Ah, mais lui il a vraiment un style de combat grave stylé. Hein. Ce sera une nuit inoubliable. Attends, il faut que je me soigne là parce tu que enfin c'est chaud. Pour de vrai. Te sentir honoré. Méga potion. Tu vas voir. Wow! Pièce laser. Wow! C'est pas fini. Ah, c'est quoi son. Ça n'arrivera plus.
pièce explosive. Comment je peux le choper lui? Ah ça y est. Ça y est. Ah faut l'avoir en compte peut-être non? Extra feu. Peut-être faut l'avoir en compte. Waouh. Double tir. Ouh. Ah ouais, dès que je l'attaque. Aïe. Ah soigne-toi. Dès que je l'attaque, il me contre en fait. Waouh. Peut-être avec la barbouille du soldat, je peux peut-être le contrer. Extra feu. Oh, il s'est mis derrière le poteau, t'es sérieux? Aou! Là, j'arrive pas à le contrer en plus. Ah, il est bizarre le combat. J'arrive pas du tout à le contrer. Et dès que j'approche, il me contre. Ah, faut que j'attaque vraiment quand il fait des attaques en fait. Vraiment quand il est en mode, il tire des balles au chargement. Ok, quand il est en rechargement, je peux. Ok, j'ai capté. Il faut être rapide quoi. Ah ouais, il va vraiment me fumer lui. Aïe. Rechargement. Wouh. Ah tu vois c'était pas bon. Non non plus. Oh my god, c'est un truc de ouf. Ah comme il est chiant. Enchaînement rapide, ça peut passer. Il est trop bizarre ce combat, c'est un truc de ouf. Il est vraiment trop bizarre ce combat. Ah là j'ai une transcendance qui est... Aïe. Qui est prête. Hop là, je sais pas si je peux la claquer. Est-ce qu'il va la prendre ou pas? Oh il l'a prise. Oh c'est stylé ça. Oh. On l'a eu. En fait il était pas fort, il était juste chiant. Quel gros traître. Donc c'est lui qui va endosser le rôle du nouveau boss de la Shinra quoi. Il a l'air aussi con que son père en plus, donc c'est génial. Tema se lâche. Il s'enfuit. Oula. Ah, Tifa elle est pas partie. La meilleure les gars, la meilleure. C'est la honte là. C'est toi le héros. Oh. Heureusement qu'elle s'est pas barrée. Je me demande s'ils s'en sortent. Tu les as vus se battre, ils savent se défendre. De toute façon... Ah. Ben quoi? C'est pas vrai.
terre. Waouh. Mon dieu. Eh, ça part en live là. Hein. Étage 64, salle de réunion. Il était pas censé les aider à ce moment-là. Hé, hey, vous êtes vivant ? Plus ou moins, oui. Hein ? Wow. C'est un aéroglisseur ça. Presque. Oh. Étage 58 du coup, Atrium. Mon dieu comme il est gros. Waouh. Ça lui a fait un bouclier. Faut péter les drones, Barrett, faut péter les drones. Ah ouais, les combats de boss ils s'enchaînent hein, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, allez. Module défensif. Attention, attention. Waouh, ça fait mal. Iris. Allez, faut défoncer les modules défensifs d'abord là. Valeur maximale. Oula. Oula. Ah, réveille-toi. Attends, Iris, attention. Ah ouais, faut vraiment se mettre derrière les cailloux en fait. Hein. À l'extra foudre. Ça peut être vraiment pas mal. Comme c'est des robots. L'invocation est prête. Je sais pas, elle a quoi, invocation Chocobo et Mog? Ou alors on a... Ouais, on va prendre invocation Chocobo et Mog. Hein. Je les ai jamais invoqués. Ça va être rigolo. Wouhou. Hey, les petits gars. Allez, allez. Waouh, la Prova Iris. Elle a pris cher. Allez, extra foudre. Allez, Iris, mets-toi. Allez, 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 allez. Attention, attention, on se cache, on se cache. Wow, il a détruit, il a détruit. Putain, il a détruit notre colère maximum. Waouh. Putain, il dort encore. Allez, un de moins. Attention, cachez-vous là. Cachez-vous là. Ouais, c'est bon. Module défensif B, à lui maintenant. Laser guidé, attention, attention, laser guidé. Ouh, purée. Il nous chope derrière, il nous chope derrière. Ah mon dieu. Sort, extraction. Attends, il faisait quoi comme sort, compétence d'invocation? Saute vers l'ennemi, lui donne un puissant coup. Lance une bombe infligeant des dégâts dans une large zone. Ok. Je vais faire extra soin sur Iris. Et Barrett, il faut qu'il soigne aussi. Méga potion sur Barrett. Oula, oula, oula. Venez, on se met là, derrière le poteau. Ah, faut vraiment... Choco rué. C'est trop mignon. Ah, c'est trop stylé, ça. Bam, 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 bam.
Bon, malheureusement, ils peuvent pas taper le drone qui est là-haut. Ah, quand même. Attention au sol, attention. Allez, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Par contre, attention là. Il va faire un super gros canon. Allez, go. Ah, il en reste un. Il reste un drone derrière. Oula, laser guidé. On est devant. Vite. Va te cacher. Ah ouais, il arrive à nous choper derrière là. Il où son laser là. Extra foudre. Yes. Encore extra foudre. Bon, attention, on se cache là. Bim. Extra foudre. Il est bientôt mort. Barrette, il est où? Yes. Un de chaque côté, c'est parfait, les gars. Ça. Allez, on va le détruire. Boum. T'as plus de défense, mon petit gars. Allez. Extermination. Mode extermination activé. Ah ouais, carrément. Ah ouais, il est énervé. Ah, il a des roues. Ok, roue arrière gauche. Ok, qu'est-ce qu'il fait là? Dégâts réduits. Ok, ok. Extra foudre. Ah ouais, ça fait pas grand chose hein. Roue arrière droite. Ah, il a encore des... Roue arrière. Ok, avant. Ah mais il a des boucliers sur ses... Ecto-canonier il s'appelle. En fait il a des boucliers sur... Il a des boucliers sur ses roues. Du coup c'est compliqué. Hop là. Oh, à limite vaut mieux tirer sur... Oula. Peur à maximal. Ouais, ça lui fait tellement peu de dégâts. Je crois qu'il vaut mieux tirer sur son corps. Onde hein. Foudroyante. Oula. Foudre punitive. On va le mettre en choc en fait. Onde foudroyante. Oula. Et non, on est derrière le poteau, mon petit gars. Allez, je vais passer avec Aeris, extra foudre. Heureusement que j'ai de l'extra foudre quand même. Hein. Tu peux t'en charger ? Ah ouais. Ecto-canonnier, c'est un truc de ouf. Ou arrière. Ah, faiblesse, ça y est. Ah, c'est quand il est au sol, on peut lui déglinguer ses roues là. Magnifique. D'accord, quand il est au sol en fait il est affaibli. C'est maintenant qu'il faut taper dans ses roues. Oula. Un petit soin, Aeris, ça serait pas de refus. Oh, il n'y a plus d'éther, d'accord. Turbo éther. Ouais, ça lui fait pas grand chose hein. Ah, faiblesse glace aussi. Oula, attention, laser guidé. On se cache. Ah ouais, non, c'est vrai. Ah ouais, guidé, c'est comme ça. Ouh là 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 là. Sort. Extra soin. Sur barrette. Aïe. Ah, je pensais que j'étais pas dessus, mais j'étais dessus. Hop les... Aeris a perdu connaissance. Non, c'est pas possible. Ouah, mur de flamme, attends. Waouh. Ah ouais, d'accord, super. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment un gros mur de flamme en fait. Queue de phénix, faut qu'Aeris revienne là. Ah ouais, il m'a enfermé, dinguerie. J'ai vu qu'Aeris elle a sa transcendance, donc vent guérisseur direct. Vas-y, dépêche-toi, Aeris. Dépêche-toi. Ah mais là, je suis bloqué en plus. Waouh. Aeris, elle est où? Elle est là. Ah ouais, sort. Waouh, bien joué. Bien joué, Barrette. Choc combustible. Ouh, j'ai chaud. Peu de chaud. Eh, il est tellement loin à tuer, lui. C'est une dinguerie. Comment je vais faire?
Faut se protéger peut-être, hein. Protection, hein. Ça faut réussir à le faire tomber, lui. C'est pas possible. Elle a pas pris de... Ah non, c'est turbo-éther sur Barrette. Allez, hop. Voilà. Allez, ça roule, là. Putain, j'ai juste envie de lui péter une roue. Mais il tombe jamais, en fait. Ah ouais, mur de flamme, il va nous enfermer encore. Waouh. Aïe 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 aïe, ça pique, ça pique. Hop là. Ah, on est enfermé dans son truc là. Ah Barrette, il est pas enfermé, ça va. Jamais il tombe. Jamais il tombe en fait. Il a détruit un poteau, j'y crois pas. Extra foudre. Waouh, il est tellement long à tuer, ça me rappelle la maison quoi. C'est un truc de ouf. Je vais péter juste presque une roue, mais. En fait, je sais pas comment le faire tomber. Choc combustible, faut que je le mette en choc peut-être. Aïe 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 aïe. Il a une transcendance, Barrette. Mais je vais peut-être attendre qu'il soit tombé, hein, je sais pas. Oh merde. Oh purée, je voulais sortir de là. Ça lui fait quasiment rien. C'est l'horreur. Ouah, attends, Barrette, faut qu'il soigne là. Sors, extra soin. Tiens bon, Barrette. Je me concentre sur la roue avant gauche parce que c'est la seule qui a plus beaucoup de vie, mais. Je pense qu'il y a un autre moyen, mais. Je sais pas comment faire. Attends, vous l'avez fait. Allez, roue. Mode vigilance activé. Ah, d'accord. Comme on lui a pété une roue, il fait un ultra laser. Ah, d'accord, super. Super. Wow! C'est qui est dans le mal? C'est Aerys. Méga potion. Waouh. Là il est plus protégé là. Transcendance, bombe grenade. Canon principal. Ok, Ecta canonnier. Bah Ecta canonnier hein. Oh ouais, il a pris quand même pas mal de dégâts pour... Après, il a dit quoi? Point faible, c'est où? J'ai vu qu'il a écrit point faible, mais je peux pas le loquer, je crois. Ciblage. Oula. Oula, oula. On se cache, on se cache, on se met derrière ça. Je pense qu'il va même détruire le pilier, en fait. Attends, là, je vois que Aerys, en plus, elle est dans la merde. Ouais. Genre, il m'a touché, là. T'es sérieux? J'étais derrière le pilier. Aïe aïe aïe. Dégâts réduits. Oh là là. Sors, soin. Faut vraiment bien gérer les soins. Allez vas-y Aerys. Elle a plus de PM. Attends, j'ai vu que ça marchait pas mal l'extra food là. Allez, go 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 go. Sors. Extra food. Colère maximale. Là, il prend mieux les dégâts là déjà, j'ai l'impression. C'est mieux. Ah, faiblesse. Ah bah oui, parce qu'en fait comme il a une roue qui est pétée, on peut lui tirer dessus, c'est beaucoup mieux.
Ouais, à gauche. Ah, mais il a remis un... Non, il a remis un bouclier, c'est une dinguerie. Ouais, à gauche. Bah là, il a retrouvé toutes ses roues, en fait. Putain, c'est abusé. Waouh. Ah, super. Je vais m'en occuper. Tu veux vibrer? Ouais, c'est pas mal là. Bam. En fait, faut juste tirer sur Ecto Canonier. Ah, il est en choc en plus. Magnifique. Allez, Barrette, là on y va. Là on y va. Colère maximale. Oh. Comment ça, il y a une cinématique? C'est moi le tuer. Mode urgence. What? Diffracteur laser, c'est quoi ça? Oui. Oui. Wow, 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 dépêche-toi. Je vais en profiter pour soigner. Pour soigner Barrette. On se cache là. Waouh. Ça, c'est un truc de ouf. Tout a été complètement pulvérisé. On est mort si vous faites la même. Allez, faut en finir vite. Faut en finir vite. Colère maximale. Je passe avec Iris. Allez. Faut le défoncer. Extra foudre. Oui. Yes, baby. C'est beau ça. Ouh, ce combat m'a fatigué. Oui, mais c'est encore beaucoup trop tôt pour sortir. Vraiment ? Cloud et Tifa se tireront. Mais bien sûr que oui. Dans ce cas, on doit trouver un moyen de tous sortir d'ici. C'est vrai. Allons-y. Ouais. Ah ouais, c'est un truc de ouf ce boss, hein. Tellement long. On est de retour ici, là où Tifa avait sauté sur les lampadaires, c'était bien marrant. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, faut qu'on rejoigne les autres. Waouh, là ça fait beaucoup par contre. Oh. Hey Dagger. Les intrus sont encerclés. Bien. Du bon travail. Ah, voilà ce que ça donne quand on fait appel à moi. Dites-moi, c'est quoi votre groupe? Comment vous vous êtes retrouvés là? Je suis d'Avalanche. Je suis marchande de fleurs. Cobaye de laboratoire. Et vos amis sont où? Va savoir. Tant pis. On les aura vite retrouvés de toute façon. Vous allez capturer cette ancienne vivante. Les deux autres, peu importe. Iris, t'as pris des risques pour protéger ma fille. Alors maintenant, c'est à mon tour de t'aider. Attends. Hein? Wow. Allez. Cloud.
nous fait une roche. Wow. Trop stylé. Montez vite. C'est les voitures qu'on avait vues quand on était avec Tifa. Trop marrant. Elle est incroyable cette voiture. J'adore. Wow. Oh, il a eu chaud. On s'en va. Ah, mais quel feu. C'était moi une. Oh. C'est une dinguerie. Cette fuite, elle est folle. Moi, je serais toi. Wow. C'est des ouf. C'est des ouf. C'est des ouf. C'est quoi cette fuite de malade? On a réussi. Il est trop tôt pour se réjouir. T'es pas du genre commode. Dis donc, tu souris jamais. Non, oublie finalement. Oh, c'est pas bien. Hé, hey, fais pas la tronche. Non, le regarde. Hein. Chapitre 18, singularité du destin. Non, mais dites-moi que je rêve. Vous avez vu ça? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ils entourent la tour de Shinra. Il y en a tellement. Mais que sont ces choses ? Problème, monsieur.
Qu'est-ce que ça veut dire? Je vois. Compris. On m'informe que tout est prêt. Quels sont vos ordres? Capturez-les